OK, nous venons de voir concrètement comment promouvoir vos services et vos propriétés sur votre profil Instagram. Pour alterner vos types de publications et éviter que votre profil soit uniquement orienté vente vente vente, voyons les autres types de contenus que vous pouvez utiliser pour booster l'engagement de vos followers. Nous allons voir ici cinq types de publications qui vont vous permettre de vous différencier et d'alterner la ligne éditoriale de votre profil Instagram. On va d'abord voir des contenus qui vont vous permettre de vous positionner comme l'expert local du quartier. Votre objectif sur Instagram en tant que professionnel de l'immobilier est de vous positionner comme un expert local. La majorité de vos publications doivent donc être focus sur la vie de votre quartier. Vous devez donc utiliser Instagram pour mettre en valeur ses attraits, ses meilleures adresses, ses charmes, etc. Voici différents exemples de publications locales sur Instagram qui sont faites par des professionnels de l'immobilier. Une première publication qui permet de parler du café du coin qui fait des latés très artistiques, par exemple comme on peut le voir à l'écran. On a ici une publication qui permet de mettre en avant le, la nouvelle murale réalisée dans le quartier par un artiste local. Ou encore le resto du coin qui vient de se refaire une beauté. N'hésitez pas à recommander le menu, parler de leurs spécialités, bref, parler des commerces locaux, mettez les commerçants en valeur, c'est ça que vos clients veulent voir. Pour augmenter la portée de vos publications, n'oubliez pas de les géolocaliser comme on l'a vu un peu avant et identifiez les entreprises et les entrepreneurs locaux concernés par vos publications et utilisez des hashtags locaux pour un maximum de visibilité. En effet, vous avez la possibilité de taguer un autre compte Instagram sur une photo comme on peut le voir à l'écran en ce moment. Ainsi, le compte Instagram va être notifié et la photo sera disponible dans un endroit de son profil. L'avantage de parler des commerçants et des commerces locaux est quadruple ici. Puisque vous intéressez les futurs acheteurs qui veulent connaître les bons plans de leur futur quartier, vous gardez vos anciens clients acheteurs engagés en leur fournissant euh, bah, des conseils sur le quartier, les meilleures adresses du coin. Ensuite, vous créez des liens avec la communauté locale en offrant de la visibilité aux entrepreneurs, aux, aux commerçants, aux organisateurs d'événements et aux résidents de votre quartier. Bref, vous vous positionnez comme l'expert local incontesté sur votre zone et ça, ça a de la valeur. Autre point essentiel sur Instagram. Vous devez miser sur le beau pour vendre de façon indirecte. Design d'intérieur et immobilier font très bon ménage, particulièrement sur Instagram. Exploitez donc cette tendance. Voici des exemples de publications Instagram autour du design d'intérieur pour vous donner vraiment des exemples concrets et que vous voyez ce qu'il faut publier. Publiez par exemple des photos d'intérieur qui font rêver et pas forcément... Seulement des photos de propriétés que vous avez à vendre, comme on peut le voir à l'écran. Le but est de faire rêver les gens et de les engager pour qu'ils likent vos photos. Vous pouvez aussi capturer certains détails architecturaux intéressants de vos propriétés. Instagram n'est pas un portail immobilier, la photo d'un beau hall d'entrée recueillera probablement plus de likes qu'une photo de la façade, comme on peut le voir sur la publication suivante. Donc n'hésitez pas à jouer sur ces tendances à faire de la photo un petit peu artistique, vous pouvez vous le permettre, contrairement à des portails immobiliers ou de la diffusion d'annonces immobilières classiques. Même lors de votre prospection, sachez capter le petit détail architectural pour mettre en scène, par exemple, des flyers que vous êtes en train de distribuer. La publication suivante est un bon exemple. Le rendu aurait été moins sympa si la personne avait juste posté la photo des boîtes aux lettres de l'immeuble. Mais là, de la façon dont elle fait, ça donne un petit côté sympa, ça met en avant la marque, etc. Donc, jouez sur ça. Ensuite, un autre type de publication intéressante, les prestations de Homestaging prennent aussi tout leur sens pour avoir des photos qu'on appelle Instagrammables qui surfent sur la tendance du design d'intérieur comme on peut le voir sur la publication suivante. C'est vraiment là on est dans la fibre, le côté design un peu déco d'intérieur donc jouez avec ça. Et surtout, n'oubliez pas d'utiliser les bons hashtags hein, comme euh, hashtag déco, architecture, hashtag design, etc. Vous rejoindrez alors d'autres bases d'utilisateurs qui ne vous auraient pas trouvé autrement. Euh, donc adaptez vraiment les hashtags aux publications que vous avez créées. Hein. On parlait des hashtags sur vos propriétés, mais si vous postez des, jeux, des, des photos plus en rapport avec le design d'intérieur, utilisez les hashtags euh, qui utilisent le champ lexical autour euh, du design. Troisième type de publication pour booster l'engagement de vos followers, ça va être de faire participer votre communauté. La meilleure façon d'obtenir de l'engagement, c'est parfois juste de le demander. Posez des questions, demandez la participation de vos followers, vous cherchez par exemple des idées pour décorer une pièce ou vous cherchez à savoir quel vin offrir à votre nouveau client vendeur qui vient de signer. Mettez votre communauté à contribution en leur posant des questions dans les légendes Instagram de vos photos. Ça va permettre de booster votre taux d'engagement. Une bonne manière de booster votre taux d'engagement et de réponse sur ce type de publication, c'est d'offrir une récompense, par exemple une carte cadeau chez un marchand local en échange de la meilleure recommandation, comme on peut le voir sur la publication suivante. Donc jouez avec ça, mêlez commerce local, récompense et stratégie d'engagement sur vos publications. Quatrième type de publication qui fonctionne très bien sur Instagram, ça concerne tout ce qui est citations et tous les autres contenus de type inspirationnel. Généralement, ce type de poste hein, récolte un max d'engagement, donc choisissez-en qui sont en lien avec les valeurs que vous prenez en tant que professionnel de l'immobilier. Ça peut être la réussite, la performance, l'entraide, la vie de quartier, etc. Voici par exemple un exemple de post qui utilise cette tendance des citations et de l'inspirationnel. Je vous invite à regarder l'écran. N'hésitez pas non plus à ajouter de façon ponctuelle une petite touche d'humour ou de légèreté dans vos publications Instagram. Dernier type de publication qu'on vous recommande, ce sont toutes les publications destinées à mettre en avant vos équipes et à recruter. Que ce soit vos réunions, les soirées entre collègues, les, les succès, la performance de vos agences. Si vous avez un profil Instagram d'agence, mettez en valeur vos équipes, leur succès et la vie de l'agence. Bref, faites rayonner la personnalité de l'agence et des gens qui y travaillent. Partagez avec vos followers tous les petits moments qui sont chers et qui impacteront la vision qu'ont les autres de votre agence et de votre métier. Voilà un exemple de, de ce type de publication. Avec ce type de publication, le bénéfice est, est double ici. Euh, non seulement vous créez un profil attractif pour vos clients, mais vous travaillez votre stratégie de recrutement sur le long terme en vous positionnant comme une agence qui s'occupe aussi bien de ses équipes que de ses clients. Et ça, c'est hyper important. C'est vraiment ce qu'on appelle le branding employeur. Ce n'est pas le sujet de cette formation mais Instagram est un élément clé de votre stratégie de branding employeur, sachez-le. Maintenant que vous savez quoi publier, vous vous demandez probablement à quel moment et à quelle fréquence vous devez publier sur Instagram pour un maximum d'engagement. On se retrouve donc tout de suite pour la suite dans le module suivant, mais en attendant, le récap.